matériel, il aurait été gagnant, sûrement. Et pas qu'un peu, même. Pas qu'un peu. Ouais. Depuis le temps qu'il travaille comme ça maintenant, comme l'armement Lebrun. Hein. Bah alors il perd des sous. Ouais. La seule explication qu'il me donnait, c'était que bah non, je pouvais pas les traîner, les traîner. Il y a d'autres de ces bateaux-là qui ont traîné. Comment ils vont les orienter donc? Tu crois qu'ils traînent les 15 mètres et les orienter hein? Les Pacifaïs, les Terre et Mer, hein, Jacquet, hein? Ces bateaux-là traînent des peut-être même des chaluts plus grands que le mien. Après ils gazent à fond aussi bien sûr, peut-être qu'ils consomment plus de gazole. Pour être des comme les chaluts usés. Hein. Oh. Mais je reste que pour l'hiver, les mettre là. Non, non. Même celui toute l'année. Diabolo Corma, toujours en plus. Tout ça pour aller dans le front avec. Bah ouais. Ouais, comme tu dis. Bon, oh, il aurait en plus 18 mètres. Hein. Entre terre et mer, c'est 18 mètres qu'il avait. Ouais. Après, bah oui, c'est sûr, consommer du gasoil, mais bon, t'es pas obligé de faire 4 nœuds en place non plus pour pêcher, hein. On voit bien, hein. Eh, t'es pas obligé d'aller faire 4 nœuds avec des 18 mètres au cul, hein. Bon, non. Ouais. Bah, bon, au départ, avec le Minadao, bah, c'était des 18 mètres que j'avais, 18 mètres irlandais, hein. Et on les traînait bien, hein. Ouais, bah, ouais, c'est... Non, bah moi c'est des 17 mètres, mais il y en a énormément de carrés. Après, il y a 23 mètres de bourrelet, mais c'est un grand carré. Lui, je sais pas, c'est celui, c'est quoi, des 15 mètres 15 mètres, avec un carré de, je sais combien, de 40, ouais, un petit peu comme ça. Je sais pas d'ailleurs avec qui il a eu les plans. Hein. Quand il est arrivé là, hein, à qui il a demandé les plans de, pour ces chaluts-là. Hein. Bah c'est son père quoi. Son père il est venu voir Bruno Karadenec. Et puis bah il a mis des 15-50, les mêmes que nous quoi. Donc voilà c'est tout hein. Pas chercher plus loin. Hein. Et depuis qu'il a le bateau, bah il a les mêmes chaluts que le Desperado. Hein. Mis à part qu'il a mis du maillot G50 dans le ventre. Nous, non 45. 45 dans le ventre. Nous on est toujours en 40. Hein. Ah ouais, ouais. Et oh, qu'est-ce qu'on a en carré, ouais, 2m40 de carré. Il y a 2m... Ouais, attends, je dis pas de conneries. Ouais, 2m40. Ouais, je sais même pas si c'est 2m40. Attends, oh, c'est où le truc? Oh, sinon c'est 2m... Ah, attends. Ouais, 2m40. Ouais. Non, je regarde, c'est tout petit, hein. Non, c'est 2m20 carrés. Ah, tu vois, avant, il y a eu tellement de sortes de carrés. Je voulais même essayer de le saluer, je me rappelle. Avoir des 2,40, des 2,80, des 2,10, je dis. Ouais. En plus, attends, ouais. Et à nous, on a des grands chaluts, pas de diabolo. Et puis, comme une caillou, on pêche à la ligne. Hein, 2, 3. Hein, on va faire... Là, ça faisait 8 mois, j'avais pas fait d'avarie à fois avec un caillou. Bon, on a fait, ou encore, je ne sais pas, c'est un caillou ou quoi. Bref. Mais, En plus, lui, il a tous mes plans de chalut, tous mes... Non, pas mes plans de chalut. Il a tous mes plans de pêche. Quand il a perdu tous ses plans en 2018, je vais essayer tous mes plans de pêche. Tous. Alors lui m'a dit ça, je vais te donner des plans. Ah là là, j'ai eu, hein. Un comment dire, une clé USB, hein, bah quand je regarde. Oh là 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 là. Oh bah ouais. Hein. Ah lui il enregistre n'importe quoi et les traits de virage, tu vois, tu... T'as pas la trace, t'as le trait de virage, le trait de route, pour le mélanger. Ah ouais, d'accord. Ah non. Bon, moi quand je suis dans l'ouest, partie ouest, les plans sont en rose. Après, là, quand on est dans le milieu ici, c'est en blanc. Et dans le grand sud-est, c'est en bleu.
par pièce, bon, en haut, là, Bertin, le fer, tout ça, c'est en bleu. La partie du Bertin, vous allez chercher la confiance, c'est en vert. Vert foncé. Juste en dessous ça, vous allez chercher la bordure de Carignan, les carcasses. Les carcasses, après, vous allez chercher nord de la Roche-Nord et descendre après... ouest de la Roche-Nord et chercher la pompe, le charbonnier, c'est orangé. En dessous, là, après c'est en vert clair, très clair, la gare pour descendre sur Suron. Ici c'est rouge. En partant des bouts nordés, la partie est de la Roche-Nord et toute la partie est, l'Ombalo, tout ça, nord du Troncaillou. Ça c'est orangé, rouge. Et l'enclave, la pointe de Douze, Cayenne jusqu'à Omana, là c'est bleu clair. Et après, plus bon, le grand sud, c'est un autre vert. Voilà. Et tous les doigts. Une zone, je peux enlever des plans comme je veux, c'est pas mélangé quoi, il y a... Je sais plus combien de plans j'ai... Voyons voir... J'ai ma main... Il y en a 9... 10, 11, 12... 13 plans, voilà, j'ai que 13 plans. Il y a un plan que pour les croches, plan en partie est, plan en partie nord, plan en partie ouest. Et après, plan GPS 1, GPS 2 jusqu'au GPS 9. GPS 9, c'est quand une fois on était allé tout dans le sud là-bas, à côté de Roche-Point, je sais pas où là. Alors. Mais alors lui, j'ai ses plans à lui là. Dossier Sanagor, quand je clique dessus, alors il y a plein de sous-dossiers qui arrivent. Alors Bélil, Côte Sud France, Calicobor 1, Calicobor 2, Marc, PC Primum, Nenao, même des plans à tour. Plan de pêche à ouvrir, Rochebonne, Sud-Bretagne, Lyon, côté ouest pointe moule, petite moule, ouest petite moule. Et ici, Lyon, Sanagor, Brune. Ouais, les gars. Ouais. Bon, bah, de toute façon, maintenant, il n'y a pas besoin d'ouvrir beaucoup de plans parce qu'ils ne travaillent que en haut, là, maintenant. Ah, ouais. Et là, j'ai qu'à ouvrir. Là, je vais voir, je crois que je vais toujours à l'écran. Golf You. Je regarde. Je vais regarder où il est. Oh, puis c'est nul son boulot. Oh là 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 là. Ah non, il n'y a pas de boulot de... C'est plutôt des axes nord-sud, tu vois. Parce que là, ce qui suit, c'est des... Ouais, c'est des trafics à mort. Il fait du nord-sur, ouais, il suit des trafics à mort, là. J'ai qu'à enlever la part, mes plans, là, mes plans GPS-4. Ouais, non, non, c'est des plans de patachon, là. Hein. Bah, ouais. Ouais. Ouais, voilà, Claude. Bah, de toute façon, moi, c'est pas compliqué, hein. Bon, quand j'ouvre les plans Minanao, ben, c'est les plans que tu m'as donnés dès le départ. Eh ben, je fais avec cela. Voilà les plans que j'ouvre, là, les GPS, là. J'ouvre que cela et les autres, rien à branler. Donc lui, tous les plans, je vais donner, j'ai dit. Ouais, mais tu crois qu'il n'y aurait pas des cailloux dessus, il m'a dit. Ben, j'ai dit, ben non, non, tout est répertorié avec moi. Après, tu répertories quand t'écoutes, t'es, vraiment, tu pointes les cailloux. Hein. J'ai dit, quand même... Depuis le temps que je travaille en semi-franc, hein, ça fait 8 ans. Bah, tu vois bien, je veux dire, il peut d'avoir y compris.
après, ouais, on sait, ça fait pas beaucoup d'avoir dit non plus. J'ai dit, mais non, pas toi de voir, hein. T'as tous mes plans, pas pourquoi tu restes avec des diabolos. Hein. Mais depuis, il n'a pas changé. Ah ouais, tu vois. Oui. Bon, le panier de lot est trippé, il y a 50 kilos. Il est à bloc. 50 kilos de lot, 50 kilos de raie. Allez. On va faire pareil. Comment je vais tourner un peu plus dans la pointe, ce coup-ci, on verra bien. Bon, ok, Thierry, allez, on va continuer à descendre, on va voir comment on va faire. On va analyser la chose. Ok, Claude, à tout à l'heure. À tout à l'heure.